Alors, on va reprendre, on va ouvrir le débat avec la salle. Avant d'ouvrir le débat avec la salle, on voulait proposer, on a invité Indra de l'ONG FERN à venir participer. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on voulait inviter pour ce séminaire. Donc on a essayé de trouver les formules qui permettent un petit peu aux uns aux autres de s'exprimer. Mais on tenait vraiment à ce que FERN soit représenté, parce que FERN a développé toute une analyse très intéressante déjà sur les marchés du carbone. Je vous invite vraiment à regarder les manuels et les différents documents qu'ils ont pu mettre à disposition. Mais FERN a également travaillé beaucoup sur FLECT, le règlement européen de lutte contre le bois illégal. Et il nous paraissait intéressant d'essayer de faire un parallèle, justement, ça a commencé à être évoqué ce matin, entre ce processus FLECT, ce qu'il a pu amener, les problèmes qui ont pu être soulevés, et puis ce qui se passe sur RED aujourd'hui. Donc avant d'ouvrir le débat avec la salle, je voulais laisser l'opportunité à Indra de nous donner un petit peu son regard, ce parallèle qui pourrait être fait entre FLECT, RED, les leçons qu'on pourrait en tirer. Et puis si jamais tu as envie de réagir tout de suite à chaud par rapport à ce que tu as pu entendre, eh bien vas-y. Merci beaucoup Sylvain. Donc effectivement, FERN, c'est une organisation que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et depuis des années, on travaille sur le FLECT. Avec ce but de lutter contre l'exploitation illégale des bois. En fait, la prise de position de FERN est assez claire par rapport à RED, et on se rejoint quelque part avec la position qu'avait dit Simon, que RED peut être peut-être une menace pour FLECT, et je peux vous expliquer peut-être pourquoi on a cette peur-là. Premièrement, je pense que ce processus RED est très différent du processus FLECT. En fait, par rapport à FLECT, on a à la fin un produit, un résultat très clair. À la fin, on négocie un contrat, enfin un accord volontariat de partenariat. Et donc, les parties savent dès le début ce qu'ils veulent voir, notamment un document écrit, signé, et puis on négocie. Donc le chemin pour y arriver, déjà, est beaucoup plus clair que RED. Avec RED, on a des plans, on a une stratégie qui peuvent bouger, et en cours de route, tout bouge. Et donc ça, déjà, c'est complètement une autre nature de processus qui laisse aussi à désirer et qui est beaucoup plus difficile à gérer, selon nous. Deuxièmement, on observe aussi une très grande différence de ce processus qui se disent tous les deux être participatif. En fait, ce qu'on note dans le cadre de RED+, c'est qu'il est quand même très top-down et très, très tiré, poussé par certains acteurs, notamment la Banque mondiale et plus précisément FCPF, aussi UNRED, qui tire cette charrette, et que des fois les gouvernements courent après, et la société civile essaye aussi de suivre et court derrière. Mais en fait, c'est donc quelque chose qui est très hiérarchisé, et donc c'est le lead, c'est en haut. Bien que FLECT, en fait, c'était le but que ce soit un dialogue et que ce soit un processus inclusif, et que là, autour de la table, il y a aussi la société civile, les organisations, mais aussi les représentants des communautés en question. Et donc, c'est assez clair, leur place, il y a des chaises qui sont attitrées à la société civile, et donc si la chaise est vide, bon, elle ne va pas parler, enfin, la représentante de la société civile. Mais pour RED, c'est très différent, parce qu'on est un peu plic-ploc invité à la table, des fois, et ce n'est pas pour blaguer, mais vraiment, la veille des ateliers de validation, etc., par exemple, il y a encore un très bon exemple qui se joue maintenant, c'est notamment le ERPIN, Emission Reduction PIN, enfin, Program Ideas Note, pour la RDC. Et en fait, personne de la société civile est au courant de ce qui va se passer. Et donc, en principe, on va discuter, valider ce document pour la RDC la semaine prochaine à Paris, mais personne n'est vraiment au courant.
Donc, quand même, dans le cadre de FLECT, il y a un vrai dialogue, les différents acteurs sont impliqués, et il y a aussi des sièges réservés à la table. En plus, il y a aussi un accent sur le renforcement des capacités. Ben, c'est clair que dans des pays où il y a le RED et le FLECT, les capacités du gouvernement, mais aussi des acteurs, sont souvent très faibles. Et donc, il y a des efforts vraiment pour renforcer ces capacités. Et puis, ce qui nous concerne peut-être le plus, c'est aussi le fait que dans le cadre de FLECT, il y a beaucoup plus un accent sur la gouvernance forestière, vraiment mis au cœur du processus. Et dans le cadre de RED+, et on a entendu les multiples exemples, cette question de gouvernance est accessoire. Donc on trouve des aspects ou des analyses du manque de gouvernance souvent dans les RPP, mais dans la réalité, on voit que RED, dans la réalité, égale les projets. Et donc, les aspects de gouvernance sont complètement absents. Bah, qu'est-ce qu'on entend par la gouvernance forestière? Bah, c'est la transparence, c'est la cohérence, c'est la capacité, c'est la participation et la redevabilité. Bah, tous ces aspects sont des aspects qui sont liés à la politique. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas avec l'accumulation, le plus de différents projets. Et c'est ça, justement, qui est difficile dans l'approche RED. Bon, par rapport à la réaction de ce qu'on a entendu cet après-midi, très vite, je pense que Simon et Symphorien l'ont bien dit, qu'en fait, les forêts sont menacées, c'est clair, il y a des nouvelles tendances qui n'ont rien à voir avec cette protection de la forêt, notamment la plantation de palme à huile et tout ce qui est mining, etc. En fait, ce sont des choses qui menacent à la fois RED et l'APV et le FLECT. Je pense que ces nouvelles tendances sont des menaces générales. Mais on peut se poser la question, quelle est la place alors du secteur forestier? Peut-être il est en train de perdre un peu le terrain et d'autres intérêts sont devenus beaucoup plus importants. Et donc, quand on a commencé avec les négociations APV, il y a des années pour certains pays, peut-être que ces nouvelles tendances n'étaient pas tellement visibles. Et donc, cette demande ne jouait pas tellement pour palme, l'huile, etc. Et il n'y avait pas une telle pression sur les forêts. Et donc, c'est peut-être là aussi que c'est intéressant de creuser un peu plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct que ce secteur est en train de perdre son rôle et son importance et que les ministères de mines, etc., ont aujourd'hui beaucoup plus de poids dans les pays où on se trouve? Donc, je pense que les deux processus sont en fait en crise, mais RED quand même a fait la vie de FLECT un peu plus difficile. C'est clair. Et donc, a affaibli, en fait, ce processus avec les mauvaises habitudes. Le fait qu'avec RED, il y a de l'argent sur la table et qu'avec FLECT, il n'y avait pas cet argent sur la table, aussi fausse les débats et rend les choses beaucoup plus difficiles. C'est très clair. On a vu dans beaucoup de pays où il y a les deux processus en même temps que d'un coup, tout le monde est intéressé pour la RED et a mis de côté, bon, traçabilité et tout ça, c'est compliqué. De toute façon, l'Union européenne n'est pas l'argent sur la table, on est moins intéressé. Et ça vaut aussi pour la société civile quelque part, qui a couru derrière RED, parce que peut-être il y avait des possibilités de mener des projets, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui est dommage et qui nous a fait perdre du temps, en fait. Parce que c'est très bien qu'il y a beaucoup de consultants, c'est horrible en fait, que beaucoup de consultants sont devenus riches avec cette hot air de RED, mais le temps passe. Et les problèmes climatiques ne sont pas résolus et on n'a pas toujours de solutions. Et en même temps, on sait aussi que cette exploitation illégale du bois est une cause très importante de la déforestation. Et dans les APV, on a un plan même comment attaquer cette illégalité du bois. Et donc ce serait très logique aussi de se dire, bon, les fonds RED, on peut les utiliser pour attaquer quand même certaines de ces causes, notamment l'illégalité d'exploitation forestière. Et ça ne se fait pas, en fait. Tout ce qui est la lutte contre la corruption, le monitoring,
mentoring, etc., des inégalités de bois, ben, ça ne se finance pas vraiment avec les fonds RED. Et on peut se demander pourquoi. Enfin, dans les pays où on a un APV, ben, ça semble logique et donc évident de dire, bon, ça c'est notre plan APV, maintenant ça c'est la priorité, on va exploiter, mettre ça en œuvre. Mais ça ne se fait pas. Et voilà, je pense, une incohérence gigantesque dans des pays où on a les deux processus à la fois. Ce lien entre RED et FLECT ne se font pas forcément. Et nous, on pense que c'est vraiment très important de mettre ça en avant. Je pense que beaucoup de bailleurs de fonds ont déjà compris, ou le disent dans leurs discours, etc. Maintenant, il faut maintenant passer à l'acte aussi, parce que RED, FLECT, les liens, comment traduire ça dans la pratique, apparemment c'est difficile, mais c'est peut-être pas si difficile que ça. Aussi, certaines causes de la déforestation sont dues non seulement à la manque de transparence, mais aussi manque de gouvernance, manque de bonnes lois. Le problème, par exemple, de chevauchement de titres, on l'a vu, c'est dramatique, tous ces titres-là, et personne ne s'y connaît encore. Bon, il faut éclaircir ça, et on peut le faire en faisant vraiment un réel plan pour ce lien entre le RED et FLECT. Voilà, donc certaines idées, comme ça. Merci, Mouda. Très bien. On va avoir un peu de temps pour débattre avec la salle, donc beaucoup de temps, puisqu'on a jusqu'à 18h. Donc pour essayer de tenter une petite synthèse très rapide, on a l'impression, toutes ces présentations, qu'il y a deux RED, ou alors plutôt il y a un RED tel qu'il est en train de se mettre en place et qui fonctionne à l'échelle des projets, où on voit qu'il y a toute une organisation qui se met en place, alors avec des consultants, je ne sais pas s'ils sont devenus riches, en tout cas le fait est qu'il y a beaucoup de sociétés de consultants qui se sont créées ou qui se sont développées pour mesurer le carbone, des développeurs de projets, des ONG qui jusqu'à présent avaient de l'aide publique au développement et qui voient l'aide publique au développement diminuer, donc qui se disent peut-être que RED c'est une possibilité de faire des projets, des certificateurs, des investisseurs et des acheteurs, même s'ils ont plutôt tendance à déserter en ce moment. Donc on voit qu'on a cette machine, ce RED qui est en train de se mettre en place, et puis l'autre RED qu'on attendrait, qui paraîtrait assez logique, si on veut lutter contre la déforestation, eh bien, il doit y avoir des choses qui doivent se faire au niveau des États, à minima la cohérence, le dialogue entre les politiques minières et forestières, et pourtant, on voit que ça ne se met pas en place. Voilà. Alors moi j'aimerais bien du coup que la salle réagisse un petit peu et qu'on arrive à naviguer entre ces deux échelles et voir pourquoi cette articulation est si difficile. Est-ce qu'on peut l'améliorer, ou est-ce que le ver était dans le fruit dès le début? Voilà. Allez-y. Thank you. My name is Joyce. I'm sorry I'm speaking English because my French is not good enough. So I'm Joyce Ferreira. I'm from Brazil, and Emily work with us in partnership with us. And I think it's very nice in Brazil as an example for in some aspects, and I can see also that we have some optimism, and I really like this. But I think that we need to think beyond, and we, of course, I share this optimism, but I think that we need to see this with caution, right? First of all, because we had a huge reduction in deforestation, but with the number, the absolute number is still very high. We need to consider that almost 5,000 square kilometers is a high number, right? So I think that we need to consider that. And even if we can see that we won some battles, but there's no the end. We have a long way in the future to maintain that. And also that although we talk a lot about deforestation, this is our main concern, we have a serious problem in Brazil with degradation, as some of you have raised this point earlier here. And in this issue, for example, in 2005, there was it was launched a paper in Science, because this problem is very critical, right?
And in 2005, this paper showed, for example, that in the region, degradation by fire or by logging can be in the same number or even higher for some years, even higher than deforestation. And in ecology, we have what we call a function of deforestation, when the forest is so much degraded that there is a really threat for the sustainability of those forests in the future. So we really, really need to pay attention for that. And another more recent paper in Science from a colleague of us, they showed as well that in Brazil, the question for this paper was if reducing deforestation was reducing degradation. And they proved that this is not true. That the areas where the deforestation were decreasing, actually degradation was not decreasing, was increasing. So, especially by fire. So I think that we have good numbers, we have good figures, but we need to really pay attention for that. And for taking this issue in consideration, we need to think about sustainable agriculture. And as Emily and I, we work in a region from the Green Municipality County that Emily has showed to you. And we can see there is a big concern on how, because we know that in the future the pressure will increase, especially because agriculture policy in Brazil is really, they intend to increase agriculture production. So if we consider that in pastures, for example, the productivity is very, very, very low. We have like one cow or less per 1 hectare. So this is astonishing. And we cannot think about having those optimistic numbers in the future if we don't consider agriculture, sustainable agriculture in the future. I work for Embrapa, that is the agriculture research agency, and this is a big issue for the institution from the Brazilian government. And then I think that we reached a point when we really recognize that the policies were, they had success, but we need to move beyond to maintain this in the future. So it's just a point that I think that it's very important to consider. Thank you. Okay. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a un peu de temps pour discuter. Donc on va essayer de regrouper les questions. Je vais en prendre encore une ou deux. Par contre, ce qui serait très pratique, c'est qu'on essaye de grouper les questions qui soient assez proches. Voilà. Donc si vous avez un point à ajouter qui est assez proche, je vous propose de continuer. Je vais peut-être prendre encore une autre question s'il y en a une. Et puis après, on laissera les différents intervenants s'ils ont envie de commenter. Et on repartira sur une autre série de questions sur un autre thème. Allez-y. Alors moi, c'est Cécile Schneider. J'étais étudiante à Sciences Po en politique d'environnement et j'ai à plusieurs reprises travaillé avec le CERAD et le GRET. Et justement, ma question est très liée à l'agriculture durable. Justement parce que donc on a vu que RED n'est pas une solution miracle qui peut éliminer toutes les plantations de palmiers à huile dans des pays comme notamment dans le bassin du Congo, au Brésil, etc. Justement parce que le coût d'opportunité est trop grand. Donc je pense qu'il ne faut pas voir RED comme, oui, comme cette solution miracle à ces plantations, mais plutôt comme il faudrait focaliser RED sur les coûts d'opportunité moyens, donc notamment tout ce qui concerne l'élevage. Et donc en ce qui concerne ça, personnellement j'ai fait une étude au Brésil dans un petit municipe pas très loin de Belém, où je me suis concentrée sur la question de comment pourrait-on avoir un PSE investissement, comme l'a présenté M. Carcenti ce matin, dans un municipe. Donc j'ai demandé aux agriculteurs de quoi ils auraient vraiment besoin pour pouvoir arrêter de défricher. Et finalement, les réponses que j'ai souvent eues, c'était plus d'assistance technique, une meilleure commercialisation de produits plus durables, comme le cacao, les fruits, les légumes, etc., et aussi des nouvelles lignes de crédit pour faire des systèmes agroforestiers, etc. Donc, juste une réflexion un peu plus générale. Donc, comme un exemple peut-être d'un municipe dans lequel un PSA investissement pourrait vraiment fonctionner avec une logique de RED derrière et où on pourrait vraiment prouver une additionnalité à travers ces investissements et en même temps réduire la pauvreté pour les petits agriculteurs. Merci.
question un peu dans ce sens-là, et puis on laisse répondre. Ok, merci. Je vais poser une question dans ce sens, mais je commence par le rapprochement FLECT-RED. Pour dire que, à mon avis, c'est clair qu'en aucun jour le RED ne fonctionnera comme le FLECT. Parce que le FLECT, on voit déjà la volonté de l'Union européenne à être responsable, à promouvoir la consommation du bois légal. Et le produit bois, il est physique. On peut le produire, on peut influencer le mécanisme de production du bois, ce qui n'est pas le cas. Notre collègue congolais a dit, les populations ne voient pas le carbone, n'y parviennent pas à toucher le carbone dans la forêt. Donc, cependant, je voudrais bien dire que j'ai peur que même le FLECT ne fonctionne pas, parce qu'elle est basée sur les institutions, sur les gouvernants, les gouvernements, avec des mécanismes, des phénomènes de corruption qui ne vont pas, n'est-ce pas, cesser d'être aujourd'hui, parce qu'il y a le FLECT. Par contre, moi, je me disais que les mécanismes de marché peuvent être efficaces pour la gestion durable des forêts. Cependant, les défaillances de marché avec des questions de gestion illégale auraient pu être résolues avec le phénomène d'observateurs indépendants qui avait été développé auparavant. Pourquoi pas axer là-dessus? Maintenant, je me demande si ce n'est pas bien d'investir davantage pour amener les États faibles, amener les États forestiers à une sorte de coordination des politiques, de mise en cohérence, n'est-ce pas, des responsabilités au niveau des différents ministères, et n'est-ce pas, de financer plutôt les bonnes pratiques agricoles, comme le disait la dame qui parlait avant, et aussi encourager les projets de large acquisition des terres au niveau des zones de savane. C'est clair que tout investissement, au départ, il n'est pas productif. Il y a une période de récupération après, donc je ne crois pas qu'on soit obligé d'investir en milieu forestier parce qu'on va d'abord récupérer et ensuite bénéficier des fruits de l'agriculture. Merci. On va faire un petit tour de réponse. Est-ce que quelqu'un a envie d'agir, D'abord, je voulais dire, effectivement, j'ai parlé avec quelques personnes à la pause, j'ai présenté le cas du Brésil, j'ai voulu être claire sur ce qui a été fait, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau trop rose, comme l'a dit Joyce, les endroits où on travaille, nous, même si la déforestation a été arrêtée, il y a ce problème de dégradation, et aujourd'hui, personne ne sait quoi faire, vraiment, pour changer les pratiques agricoles, et ça, c'est, enfin, je suis aussi raide, mais c'est pas pour ça que je le dis, c'est le gros enjeu du Brésil, et je pense que c'est vraiment une épine dans le pied. Et il y a une autre chose qui n'est pas très rose, c'est que les réserves, je vous ai dit que 50% des réserves aujourd'hui, 50% de l'Amazonie est en réserve, mais on voit par exemple, la semaine dernière, il y avait une protestation en Amapá, où les mouvements de la société civile demandent une révocation de certaines aires protégées parce qu'il y a un ras-le-bol des populations locales. Ça fait depuis 1992 qu'on leur dit... Alors bien sûr qu'il y a eu toute une idéalisation après Chico Mendes, les populations extractivistes doivent pouvoir vivre dans leur... Dans leur espace. Et oui, il y a encore beaucoup de populations locales qui continuent à croire à ça, mais il y en a certaines qui sont entrées dans cette vague, qui en fait voulaient faire de l'agriculture. Il y a beaucoup d'endroits où on a des unités de conservation où en fait c'est des petits agriculteurs. Et aujourd'hui, ils disent les plans de gestion, ça n'a pas marché, on n'a rien eu en contrepartie. RED, ça ne marche pas, on voit que ça ne va pas marcher. Donc maintenant, déclasser notre réserve, on veut être des vrais agriculteurs. Et donc ça pourrait remettre en cause pas mal de choses dans les années qui viennent. Alors il faut voir quand même, j'ai des collègues justement qui étaient aussi avec moi pour réfléchir à cette présentation, mais qui étaient là-bas à cette manifestation et qui disent que clairement il y a les grands propriétaires fonciers qui sont derrière et qui eux ont des vues sur ces terres qui sont encore bloquées. Donc c'est pas juste des mouvements spontanés de société civile, il y a des enjeux un peu plus compliqués. Ensuite, pour faire un peu le lien sur FLECT, je ne connais rien à FLECT, mais j'ai quand même accompagné la mission de l'Union européenne auprès des institutions brésiliennes. Et cette mission voulait convaincre le Brésil à entrer dans FLECT. Et le Brésil leur a gentiment dit que... Enfin, mais vraiment, je ne connais rien à FLECT. Mais que leur système était bien plus opérationnel. Et parce qu'ils ont un système de...
de traçage, de traçabilité très puissant des grumes. N'importe quelle grume aujourd'hui qui est retirée au Brésil pour pouvoir être vendue, elle doit avoir un numéro et il faut un point satellite d'où elle a été prise. Alors ensuite, il ne faut pas être naïf, il y a beaucoup de marchés obscurs derrière, mais n'importe quelle grume aujourd'hui qui est exportée, elle a un numéro et normalement on est censé savoir. Donc il y a des institutions, enfin l'Imazone entre autres, une ONG qui travaille beaucoup sur cette question de traçabilité. Mais je pense que le Brésil, pour eux, FLECT, c'est un premier pas, enfin FLECT ou leur système à eux qui s'appelle... Cislin, enfin, c'est un système de traçabilité, c'est une base, et qu'ensuite RED ça pourrait être un plus, une incitation pour d'autres choses. Et donc pour eux c'est pas du tout deux choses contraires, soit RED, soit FLECT. D'abord on fait de la traçabilité, et ensuite on pourra encourager les gens à travers d'autres mesures. Et je pense que de manière générale, la politique brésilienne, c'était de dire on assure les bases, la régularisation foncière. Alors bien sûr c'est pas une vraie régularisation foncière, c'est une régularisation satellite, et il y a toute une illusion que le satellite va tout résoudre, et il faut se rendre compte que ça pose plein de problèmes de dépossession des personnes, du propre contrôle, mais ça a quand même fait avancer beaucoup les choses. Mais c'est la traçabilité d'abord, et l'incitation ça vient comme quelque chose après. Juste un mot sur le débat de Red FLECT. Je voulais juste souligner que peut-être qu'il faut garder également à l'esprit que certes le mécanisme FLECT se base plus sur le fait qu'on incite, enfin l'incitation est plus indirecte à l'accès au marché, mais peut-être dans la lignée de comparaison avec les faiblesses liées au mécanisme Red, souligner quand même que FLECT vise principalement un marché assez réduit finalement de produits forestiers en termes d'écoulement. Et le plus gros marché, il y a quand même une alternative assez importante qui reste pour le bois qui ne serait pas engagé dans le processus FLEC, qui serait le marché asiatique par exemple. Donc, peut-être que c'est à nuancer par rapport à l'espoir que ça pourrait apporter en termes de résolution du problème d'exploitation illégale. Après, je voulais également dire un mot sur la question qui a été posée sur les contraintes liées à la matérialisation finalement des promesses de financement. C'est-à-dire que pourquoi RED par rapport au FLECT, RED semble avoir l'avantage de poser l'argent sur la table par rapport à FLECT. C'est peut-être finalement ça qui fait le problème, c'est-à-dire que RED propose ou alors envisage de mettre l'argent sur la table, mais on n'en est pas là justement. Du coup, ça fait que une des principales concurrences qui fait torpiller un peu le mécanisme RED, c'est le fait que les États ont une alternative auprès des multinationales qui, elles, ne font pas que promettre qu'elles vont payer si on leur donne la forêt, mais il y a peut-être plus de pragmatisme de ce côté. I'd just like to follow up on the point and respond to the point that was made about the need to consider forest degradation more seriously and not just complete deforestation. And really that was the point of me showing the maps in which you can see the massive extent of timber concessions in the Central African region. Because timber exploitation in that region doesn't normally cause outright deforestation, but it always causes forest degradation. Now, the paper that you were referring to was indeed a very important one, and it showed in, as you know, in Amazonia, for those that aren't so familiar with it, that areas that ended up being destroyed completely by fire had almost always been degraded previously in some years beforehand and become very susceptible to fire. And one of the main agents of degradation of forests is selective exploitation of timber, mahogany and one or two other species, which opens up a forest canopy and dries the forest out and makes it much more susceptible to fire. And in the case of Africa, the situation is even worse in the sense that forest degradation of the same kind almost always leads to deforestation. You look over long periods of time, naturally look over sort of three, four, five decades, for example,
all of the areas that were supposedly under some form of sustainable forest management in West Africa, Ghana and Côte d'Ivoire and other countries have almost all gone now, essentially, and Nigeria, the forest is gone. And so when you see those kinds of areas that are being degraded in the Congo Basin, and I'm trying to work out in my mind how much it is, probably about 40 million hectares of the Congo Basin at the moment is being actively degraded. It's still forest there. The future prospects for that, I think, are extremely worrying. And far too little, almost no attention actually, is being paid to this in the discussions around RED. In fact, it's being systematically ignored. So unless a mechanism can be found to address those, I think we will chase down some of the immediate causes of deforestation, but we're forever chasing the tail of this monster, because the inevitable processes of further degradation of forest fires and forest clearance will be happening in those much, much larger areas. I mean, it really requires a very much a change in the paradigm, I think. In the Congo Basin region, the paradigm has always been, well, industrial logging, it can be called another name, it can be called sustainable forest management. And it is sustainable, and the forest still stays there, and so on and so forth. Well, actually, over long periods of time, it just isn't true. You use the forest, and you later use it as well, you lose it as well. So we have to go a long way to convince decision makers, including here in France and Germany and others that are actively financially supporting the expansion of sustainable forest management, so-called, and convince them that it probably isn't so sustainable. It's only sustainable till it's gone, in fact. Pour finir, faire réagir, et puis après je vous ouvrirai pour un tour de parole. Oui. Je négocie. Related to degradations, this also using the argument by the oil palm plantation company in Indonesia for expansions. But it's important in Indonesia context to see the history of the deforestation and degradations. In Suharto era, you can say almost of the forest Indonesia under logging concession. But in 1997, a lot of logging company is collapsed. And the other side is many places also the forest is recovered, like in the border of Indonesia and Malaysia. So that's why in that time, while he is against the government planning for the mega project, 2 million hectares oil palm plantation along the border, the argument in that time, there is an area already degraded because of logging. Yes, but 15 years ago. So this also is the argument of the degradations also in Indonesia context, using it to justification for the expansion of the like oil palm plantations, and also is the in the legal context also is several times there's a ministry of forestry trying to put oil palm plantation as a forest. So this is also is a trick how to still keep the scale. I mean of the forest covers in Indonesia. I think already three times they raised this issue. That's including palm oil palm as a forest, and this is like Malaysia. Malaysia palm oil is a part of forest and under the same ministerial in the same ministry, and important to think also about the expansion of the agriculture or like in oil palm plantation in Indonesia context, also see from the comprehensive economic perspective. Why is the expansion of oil palm plantation very massive? Why is oil palm plantation is very profitable? Look also from the workers' context. 70% of the workers is daily workers, non-permanent workers. And also it's cheap land. And also you get incentive from timber.
So a lot of incentive behind of it. And more easy if you go to the banks and I said, oh, I want to open the oil palm plantation, then you want to, oh, I want to manage agroforestry, for example. So many incentives actually behind of it. So how to also to push the government to also to make it fair incentive and disincentive in natural resources management. Like Indonesia, why is mining is very attractive? You can open pit. You can dump tiling to the sea. So there's also, that's still allowed by Indonesian law. Like Newmont. Newmont is an Australian-Canadian company. In their country, it's not allowed to dump the tiling to the sea. But in Indonesia, because if law is allowed to it, they do it in Indonesia. So make it many things that is incentive behind of it, actually, why it looks like it's very profitable, the extractive industry like a palm oil or other sectors industry. So this is interesting debate in Indonesia, because most of the arguments about to solve the unemployment. So what kind of condition employment what actually we want? So this is important in our perspective dealing with we are talking about the expansion of plantations. Ok. Ce que je vous propose, c'est de rester un petit moment sur ce thème de dégradation, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs mains qui s'étaient levées. Et après, on reviendra effectivement pour faire le lien avec FLECT. Pour continuer le débat, je voulais dire justement que sur la chaîne sur la dégradation, ça pose également la question de qui est responsable de la déforestation. Puisque si à un moment, une concession est établie, exploite la forêt, la concession se déplace, reste des gens sur place qui sont obligés pour se nourrir de détruire la forêt, qui est responsable? La concession qui était là en premier et qui a amené ces gens, ou les gens qui au final mettent le dernier coup de hache sur le moins de 10% d'arbres pour que la FAO considère que c'est de la déforestation? Donc ça pose la question de la temporalité aussi de la chaîne de destruction de la forêt, et cette temporalité, je crois qu'elle va être très difficile à évaluer, à essayer de changer les incentives, parce qu'on ne sait pas gérer ça. Oui, sur cette question de concession à dégradation, je voudrais donner un petit témoignage, parce que j'étais il y a 20 ans au Cameroun, un peu en coopération, en lien avec Rougier, et je suis retourné 20 ans après dans une concession Vijma, Sud-Cameroun, même pays, et je suis tombé sur le jour et la nuit, la nuit plutôt d'abord, et le jour. Je m'explique. J'ai vu une première concession Rougier il y a 20 ans, où on brûlait 80% de ce qu'on exploitait. On se moquait parfaitement de tout ce qui était des déforestations derrière, on ne s'occupait pas des populations. Malgré tout ce qu'on pouvait leur demander, ils s'en fichaient royalement. Je reviens 20 ans après, dans une concession certifiée du Sud Cameroun. Alors, je ne justifie pas les concessions, je reconnais que l'avancée en forêt primaire est quelque chose d'assez épouvantable. Mais c'est la dégradation, elle a lieu, elle peut n'avoir lieu qu'une fois. Et après, j'ai vu cette concession Vijma, qui a un coût important de certification FSC, et néanmoins, plus de déforestation, terminée. Les gens avaient des potagers, des poulaillers, des écoles, des terrains de foot, des cantines, tout ça payé par la concession, avec un côté un peu paternaliste, je vous l'accorde, mais néanmoins, c'était arrêté. Donc, ce que je veux dire, c'est que la concession, si elle est certifiée, et il y en avait très peu, il y a peut-être 3% de concessions certifiées dans le monde, mais je trouve que c'est quand même pas si mal. C'est peut-être moins pire qu'autre chose. J'avais une autre question, si vous me redonnez le micro, ce sera gentil. Ok. Alors, oui, pour revenir sur ce vieux débat, disons que il y a une carte qui a été faite par De Fourny de l'université de l'ULB sur la RDC. Cette carte, elle est frappante. Je la montrerai peut-être demain si j'en ai l'occasion. Elle montre la déforestation en RDC, et si on superpose la carte de l'occupation démographique, les deux cartes se superposent quasiment parfaitement. Et ce qui est marqué aussi, c'est que effectivement, que ce soit dans les aires protégées ou dans les concessions, il n'y a pas de corrélation positive entre déforestation et concession. C'est normal, au fond, on est devant des taux d'extraction extrêmement faibles pour des raisons économiques, pour des raisons d'infrastructure, etc. On prend, contrairement à l'Indonésie, où j'ai vu en 1993
des extractions d'environ une dizaine d'arbres à l'hectare, faisant facilement 120 mètres cubes par hectare. Nous sommes en RDC dans quelque chose comme un arbre tous les 2 ou 3 hectares avec, disons, 3-4 mètres cubes. Donc on est vraiment dans des choses qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est pour ça que finalement, alors ça fait de la dégradation, là je suis tout à fait d'accord. Ça fait de la dégradation, cette dégradation elle est effectivement beaucoup moins forte si l'exploitation est gérée, parce que bon, quand on dit il y a de la dégradation sur 40 millions d'hectares en RDC ou je sais pas combien, enfin peu importe, dans le bassin du Congo, il ne faut pas oublier que normalement si ces concessions suivent leur plan d'aménagement, on passe une fois tous les 25 ans ou une fois tous les 30 ans, et pendant les 29 autres années ou 24 années ou 30 années, normalement, la parcelle n'est pas exploitée. Et là où il y a une responsabilité et un problème avec l'exploitation forestière, bon, ça c'est pour Sylvain, c'est au dernier point, c'est quand bien évidemment quand derrière il y a de la pression foncière. Il est clair que dans un endroit comme le Nord-Congo, ou dans des endroits comme le Gabon, où il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de population, bah, il est clair qu'une fois que la forêt a été, on a une passe forestière, derrière la forêt se reconstitue. D'ailleurs elle se reconstitue aussi en Indonésie, puisque sur les parcelles qu'on avait, sur lesquelles on avait travaillé en 1993, on voit que ben, la forêt, si on ne la convertit pas en palmier à huile ou en mine de charbon, ça reste effectivement de la forêt. Donc, je pense que, en plus, finalement, l'agenda, je pense qu'on va vers la fin des concessions forestières. Là, je suis tout à fait d'accord avec Indra quand elle dit que le secteur forestier est en perte de vitesse. Il est très clair que la plupart des pays sont en train, malgré RED, de tourner la page de la foresterie pour passer à autre chose de plus rentable avec la mondialisation. Et l'exploitation forestière, c'est quelque chose qui est en perte de vitesse. Ça va rester dans quelques endroits qui sont tellement inaccessibles que probablement on n'a rien d'autre à faire que de la foresterie, mais dès lors qu'on n'est pas loin des routes et des marchés ou qu'on va les créer, ben on va passer à autre chose. Donc je pense qu'il faut voir un petit peu la hiérarchie des problèmes. Nous sommes devant des problèmes totalement redoutables liés à la mondialisation. Je pense que l'erreur de RED, effectivement, Stern disait, Stern, je me souviens bien qu'elle avait justifié RED, Simon, il disait, regardez ces espèces d'éleveurs extensifs du Brésil, ils gagnent quelques hectares par hectare en déboisant tout pour faire de l'élevage extensif, ils gagnent quelques dollars pardon, par hectare, alors qu'avec 150 tonnes de carbone par hectare qu'on préserverait, on met un prix à 10 dollars la tonne, on a, voilà. Il est clair que cette logique de compensation du coût d'opportunité, elle ne résiste pas aux nouveaux drivers. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous amuser à compenser des mines de cobalt, des mines de fer, du palmier à huile qui peut aller jusqu'à 2000 dollars par hectare de marge brute, etc., etc. Donc il faut trouver autre chose. Et ce que montre le Brésil, bien sûr, il y a effectivement la situation des paroisses, mais ce qu'on montre, c'est qu'au fond, on a la logique économique, c'est très bien quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, ben, il faut effectivement partir à une autre logique, c'est-à-dire ben, le Brésil, il a quand même essentiellement, pas entièrement, mais essentiellement, fait ça par la loi et du command and control. Donc à ce moment-là, ben, probablement, si on veut traiter les drivers du palmier à huile, etc., ben, il faut faire des plans d'aménagement du territoire, avoir de la comptabilité, avoir de la transparence, que les citoyens puissent effectivement donner leur avis, qu'on ait de la démocratie, et que surtout, le gouvernement joue son rôle d'appliquer des lois ou de mettre en place des lois. Et je pense qu'on est là, on sort de la logique économique qui est, et c'est ça, à mon avis, l'échec de RED. C'est de toute façon, c'est d'être parti sur un exemple qui peut fonctionner pour certains petits paysans, mais qui, au fond, ne permet pas du tout de traiter les nouveaux drivers de la déforestation. Okay. On va rouvrir un round de questions. Je vais laisser Indra répondre, parce que justement, il y a un lien assez clair, elle voulait réagir sur FLECT. Est-ce que FLECT a pu apporter quand même sur, justement, ces... Ok, donc je voudrais revenir un peu sur la question ou la remarque qui a été faite sur le fait, oui, RED ne marche peut-être pas, mais FLECT ne marche pas non plus, parce qu'il y a la corruption, il y a surtout les ministères et autres qui sont responsables, et là il y a un problème de gouvernance. Je pense qu'effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas encore les licences FLECT. C'est encore en chemin pour les pays qui ont quand même conclu un APV. Néanmoins, je pense que le chemin pour arriver à cet accord est quelque part un succès, parce que certaines choses clés
les points d'achoppement ont été mis sur la table. Par exemple, la transparence. On sait que la plupart des APV ont un annexe sur la transparence qui oblige les parties de rendre public, par exemple, les contrats. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant quand même, de rendre public, et avec l'espoir que ça a un effet boule de neige, qu'on se dit, bon, pour les concessions forestières, on a la transparence, pourquoi pas les contrats miniers, plantations et autres. Ça, c'était l'idée, et d'où l'importance de cette annexe. Je pense que le fait que cette annexe fait partie d'un accord conclu notamment par l'Union européenne oblige aussi l'Union européenne de ne pas être silencieux par rapport au contexte de l'APV qui change. Ben aujourd'hui, au Cameroun, on a mentionné à plusieurs reprises le cas d'Héraclès. Ben, au Cameroun, on a un APV qui est à l'implémentation, mais on sait que le grand problème, c'est l'accaparement de terre, le Héraclès qui ne respecte pas la loi, qui coupe le bois, et probablement ce bois défriché, bon, c'est du bois illégal. Bon, peut-être ce bois, il va être sur le marché. Bon, c'est un problème de l'Union européenne. Et l'ambassadeur de l'Union européenne, suite à tout le boucan qui a été fait, a quand même écrit une lettre au ministère pour dire qu'ils étaient bien concernés par rapport à ce qui se passait à l'accaparement de terres. Et ça, je trouve quand même intéressant, parce que ça veut dire que l'Union européenne commence à comprendre qu'il y a un lien entre l'APV et la nouvelle tendance de l'accaparement de terres qui va au-delà de ce qu'ils ont pu imaginer. Et là, je trouve que quand même, c'est intéressant si on veut voir le lien entre l'APV et les autres menaces. Et là, je pense que la société civile a aussi un rôle à jouer de dire, oui, mais l'Union européenne, est-ce que vous êtes cohérent par rapport à votre politique de subvention ou autre, ou d'approvisionnement par rapport à votre consommation, etc. Parce que pourquoi il y a une telle demande de l'huile de palme? Et je trouve qu'à partir de ce APV, on peut poser des questions intéressantes qui vraiment sont de l'actualité. Et d'où quand même mon enthousiasme pour cet APV, même s'il n'est pas parfait, même si on sait qu'il y a encore de la corruption, etc. Mais quand même, c'est un levier intéressant. Et je pense qu'on a dit aussi que l'argent de REP n'est pas encore là. Et que, mais il y a déjà de l'argent qui circule, même si ce n'est pas le grand argent qu'on espère de voir un jour, qu'on sait qu'il ne viendra jamais, du marché de carbone, il y a de l'argent. Et il y a beaucoup d'argent même. Et même si c'est quelque chose qui va servir les pays à court terme, bon, il y a des gens qui sont partis pour avoir accès à cet argent. Ben, de 3,5 millions FCPF, mais aussi les budgets beaucoup plus importants du FIP et du RPIN, enfin du Carbon Fund, etc. Donc, quand même, même si, enfin, il y a de l'argent. Ce qui est intéressant avec FLECT aussi, pour bien souligner par rapport à ce qu'a expliqué Émilie au Brésil, c'est que FLECT est un processus qui a permis presque, j'ai envie de dire, générer du droit, mais qui a permis de résoudre aussi les conflits fonciers, de mettre les gens autour de la table pour dire à un moment qu'est-ce qui est légal ou pas. Essayer de résoudre ces fameux conflits fonciers où on sait bien que c'est le nœud du problème, qu'on soit pour développer des projets REP ou autre chose. C'est un petit peu ce qui a fait le succès au Brésil, c'est qu'à un moment, on a accepté de se retrousser les manches et d'essayer de se pencher sur ces problèmes fonciers. Voilà, alors je pense notamment à l'exemple du Ghana, on pourra revenir aussi dessus, mais je pense que c'est intéressant de rappeler ça aussi, que FLECT a permis cette discussion sur le foncier, et aujourd'hui, cette discussion sur le foncier, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a lieu sans le REP? Voilà. On ouvre un autre round de questions. On reviendra sur les questions de décarbonation. Oui, Jacques Poligny, Université d'Illinois. J'essaie de comprendre, j'ai l'impression que je n'y comprends plus rien dans le débat. Et qu'il y a une espèce de tournure bizarre, je vais essayer de la formuler. Je vais essayer de comprendre en même temps que je parle. Excusez-moi si c'est un peu confus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de sortir du RAID, de sortir de la logique économique, en faisant le constat que ça tourne au désastre, alors qu'en fait, on n'a pas commencé ni à le mettre en œuvre, ni même à l'envisager, en fait. Et que finalement, en sortant de ce truc qu'on constate que ça ne marche pas,
on va, mais quand on constate que ça ne marche pas alors qu'en fait on n'a pas démarré, on va vers quelque chose qu'on pense que ça marcherait, mais en fait cette chose qu'on pense qu'on marcherait, c'est la chose qu'on fait en prétendant qu'on fait la chose qu'en fait on ne fait pas. Bon, je vais essayer de parler plus concrètement, mais bon, essayons d'être plus concret. Mais tu disais il y a deux sortes de raids. Je pense qu'il y a trois raids. Bon, tu disais il y a deux sortes de raids. Bon, d'abord il y a le raid, c'est le projet. Donc le projet, c'est quoi le projet raid? Finalement, c'est un projet de conservation et de développement intégré qui veut être financé par le fonds carbone en ayant un résultat mesurable, hein. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une ONG fait des activités de développement qu'elle va financer sur cet argent-là, et elle va dire aux gens, élever des poulets, etc. Je parle de la tendance générale, des sites que j'ai visités. Évidemment, il y a des exceptions, il peut y avoir d'autres cas. Mais en Afrique, je crois que c'est souvent comme ça. Bon. Après, il y a la politique RED au niveau national. Bon, ça, c'est un grand plan d'aménagement de territoire dans lequel on intègre l'objectif de réduire la déforestation. Et ces deux choses au Congo, au bassin du Congo que j'ai visité, on les trouve très clairement. Il y a les projets et puis il y a la coordination nationale RED et on voit ces deux choses. Le troisième, c'est en fait RED tel qu'on en parle mais on ne le fait pas. C'est le marché du carbone. Ça n'existe pas. Parce que c'est quoi finalement un marché? Il faut qu'il y ait quand même des acheteurs et des vendeurs. Or, dans la RED, il n'y a pas de vendeurs. Les gens qui font le service, c'est-à-dire qui séquestrent du carbone parce que telle forêt ne va pas être défrichée, bon, c'est les gens qui sont usagers de l'espace, qui ont les droits d'usage depuis toujours, qui se disent propriétaires des forêts, même si légalement c'est pas vrai. Ces gens-là, ben, on vient les voir et on leur dit maintenant, bon voilà, on les convainc, on les sensibilise, on fait de la communication, on fait tout ça pour les convaincre qu'il faut qu'ils fassent telle chose et on va leur donner de l'argent, mais cet argent-là, en fait, c'est pas leur argent, ils n'ont même pas conscience que c'est leur argent. Ils vont dire, ah, vous voyez, l'ONG nous a construit un château d'eau qui a coûté 16 millions, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en fait, c'est avec l'argent du service environnemental qu'ils ont rendu. Donc, ça, c'est absolument pas un marché. Alors, le marché, donc, il n'existe pas. Et pourtant, on parle de marché du carbone. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre ça dans le débat? Est-ce que l'objectif de leur aide, c'est pas justement de se baser sur des gens qui prennent des décisions, qui vont donc tomber sur toute la théorie, etc. Economics 101, pour que ça marche, il faut que ce soit concurrentiel, qu'il n'y ait pas de monopole, qu'il n'y ait pas d'oligopole, qu'il n'y ait pas de barrière d'entrée, qu'il n'y ait pas toutes ces choses, qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information. On pourrait continuer, mais toutes ces distorsions à un mécanisme de marché concurrentiel de base, le RED, c'est le cas d'école. Donc ça n'existe pas, le marché du carbone. Alors est-ce qu'il faut finalement... est-ce qu'il ne faudrait pas justement commencer à parler de la RED vraiment en tant que marché du carbone? Ok, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de distribuer la parole vers le fond. Il y a trois demandes. Et puis Christian.